Bonjour tout le monde et bienvenue au français avec Madame Leanne et Madame Cheyenne. Hello everyone, welcome to French with Miss Shay and with Miss Leanne. Aujourd'hui, on va lire le livre Petit pois carotte, écrit par Mark Hood. So today we are going to read the book Petit pois carotte, and this is by Morag Hood. So I'll give a summary in English first, and then Miss Shay is going to read us the story in French. So the heroes, the main characters of the story, are a green pea and a carrot. The pea's name is Jean-François, and all of Jean-François's friends are also peas. All except Charlotte, the carrot. She does not look like a pea at all. She's way too tall to be a pea, and way too orange. She cannot roll like a pea. She cannot bounce like a pea, and she always loses when she plays hide and seek with the peas. But there are a few fun things Charlotte can do. She can be a high tower, she can be a bridge, and she can be a slide. Charlotte does not look like Jean-François at all, but they are still best friends. So Miss Shay is going to read. The words are going to be underlined. Let's repeat after her. Très bien. Commençons. Voici Jean-François. C'est un petit pois. Tous les amis de Jean-François sont des petits pois. Petit pois, petit pois, petit pois. Tous, sauf Charlotte. C'est sûr, Charlotte ne ressemble pas à un petit pois. Elle est beaucoup trop grande pour être un petit pois. Et vraiment trop orange. Elle ne peut pas rouler comme un petit pois. Ni rebondir boing, 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 comme un petit pois. Et elle perd toujours à cache-cache. Oh là là, on voit toujours la carotte. Mais Charlotte peut se transformer en une tour très très haut. Youpi! En un pont super pratique. Et en un chouette toboggan. Oui! Oui! Charlotte ne ressemble pas du tout à Jean-François. Et cela ne les empêche pas d'être les meilleurs amis du monde. Et ça, c'est la fin du livre. Merci pour lire avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.